J'avais muté le micro. Bravo, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette journée du Nexus Tour, étape 5, division 2. Aujourd'hui, on caste les petits touts de l'équipe académique. Donc, Frosttail et Shunin. Alors,
pour tout remettre dans le contexte, on prend un peu les choses en cours de route. On arrive, pour le coup, Chunin a déjà, à notre grand bonheur, déjà gagné la première game. Ce qui est quand même un grand plaisir. Et donc, nous allons pouvoir être là pour les suivantes. Alors, si vous êtes un habitué des divisions 1, le fonctionnement est un peu différent. Pour le coup, on n'est pas sur des rounds suisses, on est sur des groupes. Et donc, sur les phases de groupe, eh bien, on va jouer contre tout le monde et après, on aura fini. Tout le monde pour cette partie-là, bien évidemment, il y a des choses après les phases de groupe. Pour vous montrer un petit peu ce que ça rend, tada, voici où on en est. Alors, poule de 5, mais avec quand même un NAEF, une équipe qui a forfait, hein, donc une victoire qui a été donnée à tout le groupe. Les premiers matchs se sont joués du coup entre City Keepers, Frost et Chunin, c'est nous, Random 5 et DBG. Nous avons gagné contre Random 5 et côté City Reapers, ils ont gagné contre... nous avons gagné contre DBG, excusez-moi. En plus, je vous l'ai mis juste avant dans le duocam. Super, j'ai bien suivi, ça fait plaisir. Ils n'ont toujours pas commencé la draft dans la game. Ah, ok. J'y suis pas. Ah, des liens différents. Je comprends, ok. Alors, j'essaie de savoir où est-ce que ça va. Mais je peux t'inviter si tu veux. Il n'y a pas de souci, ok, si tu n'y es pas. No worries. Mais je vais hurler. Dans la game. Ah, j'ai compris. Alors, pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, c'est un peu particulier. En gros, moi j'avais ce lien-là à la base qui m'avait été partagé, qui en fait n'est pas le bon. Donc ça au revoir. Et du coup, en fait, ils font la draft avec le lien qui se sont partagés dans le lobby. Sauf qu'allez savoir pourquoi dans le lobby, je ne vous montrerai pas pour éviter de vous montrer le code, hein, bien évidemment. Mais eh bien, je n'ai pas. Chat ne marche pas en fait, donc je ne vois rien. Donc tant pis, on parlera de la draft lorsqu'ils se lanceront, j'aurai le délai que c'est pas très grave, on va pouvoir meubler en attendant. Alors, Duster, je sais pas écrire. Mais nos soucis, je commenterai la draft lorsqu'ils lanceront la game. Pardon, je m'excuse. Merci, le poussin. Oh, le poussin rouge, merci beaucoup, oui. Oh, attendez, là, il y a un peu une cata. Il y a des gens qui fument. Du coup, vous allez fermer la fenêtre parce que ça pue. Ouais, heureux. Fondamentalement, j'aurais bien aimé laisser ouvert quand même. Mais c'est pas trop possible. Oh, je vais chercher de l'eau aussi. Oh, j'ai tout fait à côté de chat. J'avoue, si je n'ai pas d'eau, je vais mourir. Allez. De toute façon, ils sont en train de faire la draft. Donc, dès qu'elle est finie, bah, on s'y met. Et en attendant, je vais vous récap un peu où est-ce qu'on en est. Les enjeux, la team, tout ça. Allez, j'arrive.
Non, mais je suis mute, hein, je suis un enculé, c'est ouais, officiel. Hein, ouais. Je vous raconte ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, vous l'avez pas entendu. J'adore être le pire streamer EW. C'est génial. Hein. Le kiff. Le kiff sans aucune autre mesure. Ce que je vous disais, c'est. City Reapers. Premier ex aequo avec nous, c'est le Chulin, parce qu'on est les deux à avoir gagné nos matchs. Sur le deuxième round, du coup, alors, bon, joie du hasard, mais les deux gagnants contre les deux perdants du round précédent. Et du coup, ça se finira au round 2-3, puisque eh bien, on a quatre matchs à jouer en moins, qui sont les matchs qu'aurait dû jouer 24 heures. L'équipe que vous voyez juste là, qui a FF, hein, tout simplement. L'équipe qui a FF. Donne potentiellement plus de chances de passer à la phase d'après. Alors, rapidement, j'aimerais qu'on parle de la draft, parce que nous, on est Red Side. De l'autre côté, ils sont Blue Side. Et donc, vous avez draft sous les yeux. On a Nautilus, Cassante, Azir, Vigo, Zeri. Contre nous, et nous allons jouer un petit 7 volley Harry Kaisarel. Waouh! Ah, ça va se bagarrer, hein! Ah, j'aime bien! Hein. J'ai du mal à comprendre le Viego côté. Du côté Random 5, pour être honnête. J'ai un peu du mal à saisir. J'ai un peu du mal à saisir le concept. Le fait de jouer Viego, parce que t'as pas une compo à reset, t'as pas de burst en fait. Enfin, oui, Azir, quand il aura, allez, vas-y, 5 items. Mais t'as aucun burst. Tu veux jouer du pur front to back. Et, ok, vas-y, Viego. Et encore, le problème avec Viego, c'est que c'est un peu faible en early. Et c'est vraiment un champion qui veut full jouer autour de ses resets. Et j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le cas. Alors, ok, t'as un peu de catch avec le Nautilus, tu vois. Mais ouais, c'est pas non plus transcendant, quoi. Alors que de l'autre côté, t'as quand même 7, Harry. Joli Kaisarel. Donc même si le Nautilus aurait été mieux de notre côté que du leur, enfin, t'as quand même un topside de cinglé. 7 Harry Voli. Pour le coup, c'est des champions qui bougent très vite, qui se projettent super vite. Harry, ça lui setup. Et en fait, Harry, ça a du burst, quoi. Donc là où pour le coup, un Azir, ça met vraiment. Au moins un item, un deux items à. Allez, on va dire, allez, en vrai, Azir, quand t'es niveau 11 avec un item, vas-y, tu peux commencer à jouer. Mais avant ça, le champion est vide. Hein. Alors que Harry, dès niveau 3, elle a un bisou. Voli, il met éclair, stun, morsure. Bam! Ah, franchement. Franchement, ça cogne. Hein. Franchement, ça cogne. C'est pour ça que j'aime bien notre draft. Parce qu'en fait, dans notre draft, ce dont je me rends compte, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de marge. Vous voyez, d'ailleurs, je vais vous remettre une plus jolie scène plutôt que juste un écran tout noir. Hop là, tada! Hop, et on va changer ça. Donc là, on joue contre Random 5. Pardon. Je sais pas écrire, c'est trop grave. Oh! Merci. Tac, Random 5. Et ben on sait pas. On sait pas encore. On va voir. Bon, par contre, Riot Games, on joue au jeu ou... Bon, close the program. Normalement, ça me proposait de me reconnecter. Voilà, nickel. Nickel. Et donc, ouais, c'est ce que je disais. C'est. Je trouve que notre compo est tellement meilleur. On a tellement. On a tellement plus de moyens d'aller chercher des agressions, etc. Et en plus, on est directement dans la game. Quel banger. On va accélérer pour se remettre à jour. Hop. Scoreboard. Chop, forcément. Hop. Tac. On va se mettre en x4 hein, pour se remettre à jour avec la game. Vous l'avez vu, la petite ward de rien à perdre. On va s'enlever les time control
Et moi, je vais vous bouger la cam. Parce que je vais aller mettre là-bas. Tac, voilà. Parce que là, en fait, il n'y a aucune info, intéressante. Je ne vais pas mettre en trop gros, quand même. Juste vous cacher, en fait, le truc en bas à gauche qui ne vous intéressera pas trop. Et mais tu vois, j'adore notre draft. Hein. Mais génial. Hein. Franchement... Oh, attention, parce qu'il y a un hook connecté. Ouais. Oh non, Tarès. T'as peut-être pas besoin de flash, hein. Je pense. Bon, en tout cas, on partira avec un gros trade niveau. Hein. L'Ignite qui est parti, le flash up, le flash heal. Wouah! First blood dans Tarès. My bad. Moi qui pensais que le trade était vachement perdant. Parce que pour le coup, on commence sa lane, on n'a plus de flash. Bah, effectivement, on commence sa lane, on n'a plus de flash. Par contre, grâce au passif, on a récupéré la quasi-totalité de ses points de vie. On est même un peu d'avance par rapport à Seng. Et on n'a pas cramé de popo. C'est quand même une très bonne nouvelle, faudra faire attention alors au passage quand même de ce Viego que je vais remettre au bon endroit. Qui peut être un peu gênant. Mais Azir, ça a quand même du mal à follow. Hein. Le champion en early game n'a pas de contrôle et n'a pas de dégâts. Au mieux, il a un petit slow. Mais c'est quand même le Viego qui doit faire la max du boulot. Ça, pour le coup, c'est un très très bon début de game. Hein. Franchement, excellent début de game. Oh là, oh, Dixtou! Dixtou, quel rythme mis avec ce set, dommage pour Kitek qui touchera pas le stun directement, ça donne un peu d'espace à Citron qui a loupé un peu d'XP Citron. On voit qu'il n'est pas niveau 2 et on a toute l'info sur ce Viego, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ah nickel, le son est bon, j'ai réussi. Hello, salut Kiki Fred, bienvenue, pose-toi, je t'en prie, en ma compagnie, je suis tout seul aujourd'hui. Alors pour le coup, la ward est bonne, hein. Je ne sais pas qui l'a posée, mais elle est vraiment excellente. En plus, ça donnera un peu d'espace à Stonemaker qui va avoir le temps de continuer à faire des camps et à prendre de l'avance sur un Viego qui a skip 3 camps. Hein. Vous le voyez, il a fait Blue Grom Red et rien à perdre, hein, qui va s'orienter vers cette mid lane. Le problème c'est qu'Antares, il a plus de flash, le bisou est bon mais il sonne à connecter. Attention, un premier Q, reset d'auto-attaque et on prendra le kill de manière assez simple. Attention parce que pour le coup, quitte à qu'il a plus beaucoup de points de vie, il y a une ward dans le buisson et go au flash-in qui suivra le flash out de Kitek et Hero qui n'a plus de summoner à part une barrière. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Citron, le Q va revenir, le volley est là. Attention, le Q est complètement whiffé. Est-ce qu'on va le flash-in? Oui, on part au flash-in, l'auto, le W, et on va donner le kill à Hero. Est-ce qu'on a les scellés pour aller chercher Citron? Je suis pas certain. Il s'en sortira. Très bien joué, très 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 bien joué pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais me lever. Parce que pour caster debout, c'est quand même beaucoup plus agréable. Autant pour vous que pour moi, vous verrez. Hop! Tada! Bonjour! Alors peut-être la cam est un peu... Ah là c'est... Alors, attention parce que Dixtou il est quand même à l'agression. Sur Ryuken, une belle invade de jungle. Alors, il l'avait pas prévu, hein. Le Q a connecté, le stun, le W aussi. On prend très très cher, c'est joli en début de partie. Et ça forcera rien à perdre au reset. Excellente invade de Stonemaker et de Kitek. Une excellente synergie. ADC, bon, je suis fatigué, pardon. Support jungle. Oh et très joli, tu m'intéresses encore. Beaucoup de rythme, hein. Beaucoup de rythme. Et surtout, on a une Kai'Sa qui est en 2-0, qui est très bien avec très légère avance au phare. Mais j'imagine que c'est plutôt dû à l'état de wave. Ah non, même pas. En fait, elle a toute une wave à récupérer. Il est très bien. Ah, Dixtou qui traîne dans la wave. Il n'y a pas de souci avec ça. Ryuken, attention, parce que Dixtou, il a beaucoup de points de vie. Le W, le flash-in, Dixtou. On a vu le W. Je pense que c'est un solo kill parce qu'il y a eu un flash à vous. Il a récupéré, il a pu s'en sortir. D'ailleurs, il joue Flash Ryukai, il joue pas Ghost. Mais il a une situation de lane qui est absolument catastrophique. Il va se faire freeze. C'est une véritable catastrophe pour Ryuken. Et on voit là une différence de niveau conséquente sur la majorité des lanes. Un slow push qui est en train de se construire. C'est pas forcément à notre avantage, hein, vous le voyez. Viego qui s'est glissé dans le buisson. Bot, ça a pas l'air d'être vu par Heroiki. T'es avoir une agression. Attention, Dixtou. On sait que T7 t'as peut-être pas de W, t'as le W. Attention, parce que Ryuken il fait un peu de dégâts. Le Q est très bien esquivé. Dixtou qui fait encore sa loi sur cette top lane.
qui va être rejoint par, par Stonemaker, hein, car Evryuken pourrait partir peut-être au dive. Dix2, attention, loto, loto. On a mis un peu de dégâts pour Ryuken, on s'y risquera pas. Le stun qui est passé sur la Kai'Sa, le flash heal de Nautilus. On a trouvé des bons dégâts sur Hero Catch, a perdu 2/3 de ses points de vie. L'Ignite qui tourne, attention. On réussit à s'enfuir sans cramer un seul summoner pour le moment. Qu'est-ce que c'est rentable, qui tech peut-être pour aller survivre. C'est un peu trop dur. Les cooldowns étaient revenus. Mais le plus important, c'est qu'Hero survive. Ce qui est une excellente nouvelle. Et malheureusement, on va se faire freeze. Mais bon, on a la situation inverse de l'autre côté. Ah, il freeze même pas. Il décide de crash cette wave. Ah oui, mais ok. Ça peut donner une bonne situation de lane, mais au risque de se faire récupérer par le Viego, qui est resté dans ce topside. Hein. Pour le coup, il est allé chercher un groupe avant de partir. Et Dix2 qui met un solide 26 CS à son adversaire. Franchement, du très très lourd. Alors Dix2, ça va chill. Garder la prio pour assurer les grubs. Asen qui va aller au check de Stonemaker sur les grubs. Attention parce que Jig est parti. Attention, c'est peut-être fait avoir. Oh, quel dommage pour Dix2 qui était à deux doigts du solo kill top. Ça s'est pas joué à grand chose, mais vous connaissez Kassanté et sa batterie de contrôle. 1Q3, 1W, 1 ulti. Et Dix2 s'est bien fait, c'est 2 secondes. Et malheureusement, on n'a pas pu mettre la. Le dernier uppercut, le dernier coup de poing pour aller chercher ce vilain Kassanté. La TP qui est consommée par Dix2 et qui va quand même récupérer une situation agréable. Hein. Ryuken n'a plus téléportation, il a été forcé à l'utiliser un peu plus tôt dans la partie. Donc au final, Dix2, c'est pas très gênant pour lui dans son 1v1 direct. Effectivement, ça aurait été plus agréable de créer un différentiel de 600 gold dans son sens. Mais pour le coup, c'est pas très gênant. Il va se faire bien, il va se mettre bien et se faire plaisir sur ses plaques top. Pendant qu'on n'a rien à perdre, qu'il y a des envies topside, mais c'est bien vu. Hein, une très bonne ward de la part de Dix2 qui va respecter tranquillement. Pendant qu'on a Stonemaker sur ce bot side, et là il peut peut-être venir en tandem. Antares qu'elle a de vouloir suivre, on a les assauts spirituels et la compétence ultime de Stonemaker pour aller chercher peut-être un dive. Et Citron et Ego sont au courant. Il faut reculer. Sinon, on y laissera beaucoup. Le Azir et les Ospecals qui sont partis. Le Bisou très bien connecté. Le W. La partie sur Impérial a connecté. Le Dash outé pour le coup très bon. Antares, dommage. Le Flashing Assaut Spirituel était un peu de trop. Citron qui va réussir à aller chercher l'encre sur la tour. C'est pas loin. Heureusement, l'instinct meurtrier de la Kai'Sa qui ira chercher le kill. Finalement, c'est très bien trouvé, hein. Tout ça, on a fait cramer le summoner, enfin on a trade flash pour flash sur cette mid lane, on a investi le flash de la Kai'Sa et l'Ignite de Kitech, mais c'est pas très gênant, puisque ça nous permet de récupérer un kill et de snowball un peu plus cette bot lane, et surtout, on pourra commencer à peut-être réfléchir, à laisser Hero tout seul, à faire roam un peu Kitech pour aller chercher un peu de pression, des objectifs, des invades de jungle avec un Vully qui est très bien aussi, parce que Hero pourra tout simplement... Et tout simplement devant, dans son 1 contre 1. Et pourra exploser ta rose. Avec le statique qui a fait son apparition. Très bonne nouvelle, somme toute. Pardon. C'est pour mettre le chat à côté. Allez, on chill, hein. On voit que... On voit que pour le coup, Ego est passé niveau 7, mais Citron est toujours 5. De même pour Kitech qui va récupérer un peu d'XP. Il doit pas être très loin de son niveau 6, Kitech. Hein. Pour le coup, effectivement, il a perdu un peu d'XP sur sa dernière mort et Hero avait récupéré un bout de la wave. Mais c'est pas extrêmement gênant. D'ailleurs, ça c'est marrant parce que entre rien à perdre et Stonemaker, on est toujours. On joue toujours à l'opposé. Quand l'un est sur un côté de la carte, l'autre est à l'opposé et on le voit. Hein. Stonemaker qui a envie d'investir sur ses Void Grubs. Il est du bon côté pour les jouer. Hein. Ils vont spawn relativement bientôt. Et sur la botlane, on est au courant. Stonemaker qui va tenter l'assaut mid. Le Bisou qui a connecté. Attention parce que pour le coup, la partie parallèle revient bientôt. Elle a connecté sur les deux joueurs. Stonemaker, on n'a pas l'ultimate. Et il va très bien se défendre à Seng. Il va être supporté par son jungler. Après, il est pas si avantageux au final.
Si on n'a pas de quoi passer par-dessus la partie surface, c'est toujours un peu gênant. Alors attention, quitte avec parce qu'on prend un peu cher, on va aller chercher le cône explosif. Alors ça n'a pas touché, hein, Source Viego qui va flash in. Chercher un reset auto, forceur alpha shock, le cœur brisé, une auto, et Kitek tombera. Il aura à minima forcé le flash du Viego, c'est déjà ça. Et bon, de l'autre côté, ça va coûter les 6 grubs. C'est une bonne nouvelle, hein, surtout quand on va gagner en side, hein, pour le coup. 7, c'est très solide en side. Harry, avec un ulti, ça a de bons outils aussi. Et attention, héros qui va se faire agresser. Très joli dodge. Hein, une auto qui est partie. Hein, Q aussi, le W, le proc du passif, mais rien à perdre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas qu'Hero est en 4-0. Et qu'il t'arrache. Il a été bien présomptueux d'y aller tout seul. En plus, il est pas reset, il avait pas son kraken. On va partir à l'agression. Hein. On a toujours le petit du côté de Hero, ça a forcé les deux flash out. Très joli. Attention, la grenade assemblée connectée sur Hero qui va toucher un assaut spirituel, un proc de passif et un Nautilus qui tombe. La bot lane qui fait énormément de bien. Stonemaker est là pour aller chercher un dive, mais l'Azeri respectera. Je pense d'ailleurs que même avec le Viego, on peut juste agresser. Kiteki est là qui a pris attention beaucoup de dégâts sur le proc de conquérant du Viego. Changera pas grand chose. Ah, il fait plaisir ce dragon parce qu'à la fois on a pris les grubs, vous les voyez, en haut gauche on est à 6-0. Et en plus de ça, on met un camp, un coup d'arrêt au scaling des dragons côté random 5. Je sais pas piger les équipes sur cet écran, alors je crois que je les ai sur mon OBS my bad. Ça vous pouvez savoir visuellement et facilement qui est qui. Ah, et pour le coup, on est très bien. Hein. On est très très bien. Antares qui chill cette mid lane. Ah, il y a un héros qui devient la pierre angulaire de la composition FT Shunin. C'est lui qui porte les dégâts, c'est lui qui peut carry. Joli Dixtou qui ne se laisse pas embarquer par Ryuken. Le Q3 connectera petit proc de passif et de poigne, mais on va bien répondre avec un W. Rater un peu de points de vie. On approche des 14 minutes avec un héros de la faille, forcément d'apparition. Ryuken qui met de bons dégâts sur Dixtou, qui va répondre le W, le E, les bons dégâts qui sont trouvés. Alors attention parce que Dixtou il a un conquérant, et pour le coup Ryuken il en a pas, le flash R qui est trouvé. Attention parce que Ryuken il est emmené au Brésil, qui taquait là, fort heureusement. Dixtou qui devrait s'en sortir, mais c'est qu'à santé gaming, attention, ça a les dégâts de Zinzin et le premier AZ qui peut être récupéré par ce Viego, effectivement c'est pris. Utile Stonemaker qui part au milieu, heureusement on a fait tomber le cas santé, et le Viego qui suivra. Attention, on a dû flasher du côté de Stonemaker, est-ce qu'on a un cœur brisé encore? Non, il a été consommé. Et c'est Hero qui va encore une fois prendre le kill. Quelle présence d'esprit de la botlane Shunin. Qu'est-ce que ça joue bien. Timing, Hero de la faille, ça a été cool. Le support est là, l'ADC est là et ça fait toute la différence. On récupère 2 kills contre un seul et en plus on va peut-être s'assurer un Hero de la faille. Non, peut-être pas maintenant. On attend un petit peu, alors on va pull tout ça. C'est le 3 contre 3, mais il y a une TP derrière, c'est Antares qui est là. Et Antares il a son ulti, il a son flash, il a sa TP, donc c'est parti le fight qui s'il ici. Antares, un premier assaut spirituel, la grenade ASM. On a vu Hero de l'autre côté avec l'instinct meurtrier. Attention parce qu'il y a eu l'ultimate de l'Aziri qui tape. Stonemaker qui s'en sort à pixel HP, Antares aussi. Mais Nautilus est dans le coin, Antares, est-ce que t'as un flash? Non, t'as plus de flash, Antares. Tu risques de tomber, le kill est récupéré par le Nautilus, c'est pas très grave, mais on va continuer. Attention parce que Stonemaker est tombé de l'autre côté, il y a encore beaucoup de fights. Flash in de héros, attention parce que c'est récupéré par un cas santé. Et ce fight, ça commence un peu à être du n'importe quoi. Ça commence à être un peu n'importe quoi. Et Viego, vous le savez, ça fait mal. On récupère encore des kills. Le all-in avec l'arrêt, le W, le Q. Et est-ce que Dixtou peut s'en sortir? Attention parce que Dixtou, il a pas du tout de flash, il n'a pas de summoner, le E qui est passé, le W, mais ça sera un ace au final. On est allé un peu loin. L'initiative en première intention était très bonne, mais on a eu des petites hésitations dans ce teamfight entre aller chercher, aller engager très fort et prendre notre temps. On l'a vu, hein, la Harry qui est arrivée par en dessous et qui s'est fait un peu réceptionner, surtout que la partie champion a gagné beaucoup de temps. Et pour le coup, on est là, et Stonemaker qui peut peut-être aller chercher l'agression avec Kitek. Attention, parce que là, ils sont 4. Nous, on est 4 aussi, mais ils vont être à l'initiative. Et pour le coup, c'est récupéré. Il y a une TP dans le dos, C'est le Azir qui arrive. Est-ce qu'on peut le récupérer? Un peu un sous spirituel pour aller le chercher.
Le blasting cone, le bisou est très bon, mais ça dégagera la Harry. Et Stonemaker ne pourra probablement pas aller plus loin. J'ai rien dit, Kitek qui est derrière, ça sera free kill sur ce Hassaigne, le temps que l'auto de héros arrive. Un bisou qui a connecté, qu'à santé ou non, tu tomberas, double kill pour héros, absolument, qui a 12 des 13 kills de sa team, ce qui est une excellente nouvelle. Et cette Ziyai qui ne fera pas grand chose, pardon, il lui restait encore le dash out. Elle peut s'en sortir en toute sécurité. Kitek qui se permet un BM. Mon ami Kitek, doucement, parce que nous avons beaucoup de ressources sur un héros qui vient de toucher ces deux items, mais nous ne sommes qu'un millier de gold devant, même si pour le coup l'avance va s'accroître sensiblement avec la prise de cette T de top. Tandis qu'on a forcé une TP sur Ryuken, très bonne nouvelle, parce que pour le coup ça veut dire que il n'y aura pas de TP de Ryuken pour le dragon, je pense qu'il va rester, hein, vu qu'il spawn, vous le voyez dans le chat, dans les 40 prochaines secondes. Il va falloir se déployer du côté Chunin. Est-ce qu'on a le temps de défendre cette T2? Normalement, oui. Même si avec Gantelet Givrant, un cas-santé, ça a pas mal de dégâts. Pour l'instant, on peut pas rentrer dans cette river encore. On n'est pas initiative. Antares qui est parti push des wave top. Est-ce qu'on veut vraiment le jouer, ce dragon? Est-ce qu'on préfère jouer le side? Vu la position, on a l'air de vouloir le jouer et on utilisera une TP d'Antares. Mais du coup, j'ai un brin de mal à comprendre pourquoi on envoie Antares top si c'est pour jouer le fight, alors qu'on a pu l'envoyer directement au bot. Alors directement, il y a la TP d'Antares qui est partie, la grenadesse, elle ne changera pas grand chose. On a retrouvé tout le monde au milieu, le W qui va connecter sur le cas santé, mais son propre W lui a permis de tanker les autos, piou 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 piou, puis Katia qui va tomber et qui va tuer Ryu, qui a un spirituel qui est parti encore sur un Azir qui va se protéger à la partition impériale. Pour l'instant, le fight est pour nous, mais Stonemaker est dans une mauvaise situation. Il y a l'outil qu'il va falloir être consommé, très joli le dunk. Il va chercher les kills, dommage, on n'a pas pu aller chercher les procs de triomphe. Si tant est soit tant qu'on avait la rune, j'imagine Ego qui ira chercher quelques autres éclairs. Le flash-in de Kitek, le W, le Q, triple kill pour Hero. Et la game prend un tournant encore plus important pour nous. C'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, T1 mid, très bonne nouvelle, ça ouvre la map. On va pouvoir jouer un peu. Et voyez du coup, si jamais Antares est là, concrètement le fight est le même. Et là où cette épée me dérange un peu, c'est que du coup, bah, cette top wave, elle est pas push quoi. Et du coup, on a consommé une téléportation pour être présent sur le fight. Là où je pense qu'on aurait pu juste s'y rendre à pied, comme tout le monde, on serait arrivé en même temps. Parce que vous le voyez, hein, s'il est arrivé sur la wave top en marchant avant le début du fight, il aurait pu arriver au pit du dragon dans le même temps. Mais on a préféré aller jouer top. Dans tous les cas, le résultat est le même. Hein. Hero est très bien dans sa game. Le dragon a été récupéré, dragon des océans, c'est toujours agréable. Et le combat qui s'enclenche entre Ryuken et Dixtou, le Q3 qui passe, les petites autos. Attention, parce qu'on a quand même la cape solaire entre temps et Dixtou qui prend un peu de dégâts. Hein. Lui, Dixtou, il est un peu en retard par rapport à ce qu'a santé, il a pas son deuxième item. Vous le voyez au gold, un petit millier de gold d'écart. Attention, parce que Hero, il est là, qui tech aussi, joli stun. Le W, le flash out qui est forcé sur Hassaigne, surtout qu'Hassaigne n'a pas de T2. Un ulti, un flash juste avant le dragon, c'est une excellente prise de guerre hein, de la part de Hero et Kitek, et qui assure quasiment à lui seul ce Nashor. Tout, vous voyez, Dixtou qui est encore au push sur cette bot wave. Attention au Stonemaker, au flash tech, attention au Stonemaker, parce qu'il y a beaucoup de monde. Le flash out, très bien vu, c'était nécessaire. On aurait pris beaucoup de dégâts. Darose, le Q. Kitek s'est bien trouvé. On n'ira pas chercher plus. Joli assaut spirituel, très joli bisou d'Antares. Je crois qu'il a balancé en blind et qu'a touché à Seng. Hero qui est parti à l'agression. Il y a deux autres qui sont partis. On a fait tomber le Azir, le flash out qui est forcé sur le Viego. Et le fight est tout simplement gratuit. On a trop d'avance. C'est trop simple. Et les deux top laners qui n'ont même pas pris la peine de téléporter. Ils savent qu'ils se seraient fait
cancel par, par l'un ou l'autre. Hein. Il y a un W d'un côté, il y a un ulti ou il y a un ulti de l'autre aussi. Il y a plein de compétences de contrôle sur ces deux champions. Et Ego, qui fait au mieux. Hein. Darose Ego qui fait au mieux. Qui push un peu la wave comme il peut. Ça n'empêchera pas la T1 de tomber. Dix2 qui a quand même allé chercher un frais. Dix2, ça tape des autos et des autos. Mais c'est un cas santé, ça tank bien. Et on ne l'aurait pas tombé si on n'avait pas eu le soutien de la Harry qui arrive. Ulti qui a été consommé. Heureusement, il y a le bisou. Inarrêtable ultimate qui est parti dans le vent. Puisque c'était sur le W du cas santé. C'est bien trouvé. Et Antares. Qui pour le coup rentabilise bien sa TP. Ça lui donne une bonne présence bot. Et on part sur un petit 1-3-1 pour aller agresser toutes les lignes. On se sent suffisamment en force et en puissance. Vous le voyez, Antares qui est bot. Hein. Citron qui est un peu avancé. Parce que le. Oh, il y a 3 niveaux de retard Citron par rapport à Kitek. La vache! C'est absolument énorme. Et on a de grosses avances en XP. Hein. 2 niveaux mid, 1 niveau en ADC, 3 niveaux en support. Et top, je ne vois pas, mais j'imagine bien Dix2 avoir peut-être un petit niveau. Ouais, effectivement, niveau 14 contre niveau 13. Attention, le dunk, c'est parti, tour ou pas, on va les dive. La bande d'ASM a connecté sa TP en plein milieu, c'est qui? C'est Dix2 qui va arriver, et on va chercher simplement cette tourelle, cette T3. Problème étant, on n'a pas encore les waves qui push, parce qu'on n'a pas récupéré d'inhibiteur, donc on ne peut pas se permettre de juste chill et attendre que les waves push et garder la position mid. On va préférer un reset tous ensemble, synchronisé. On envoie Dix2 au top pour aller push une dernière petite wave. Mais dans tous les cas, il resetera à peu près en même temps que tout le monde. Et on va aller chercher ce dragon. Ça manque un peu de vision bot, pardon. Mais ça a été clear pour partie. Ça manque un peu de vision. Hein. On sait qu'on a l'info sur Viego qui ne sait pas qu'il est wardé. C'est la seule ward que nous ayons. Heureusement, la bot wave est un peu push. Ryuken qui va compenser de l'autre côté, et vous le voyez, hein, côté random 5, on ne projette pas de contest. Quoique peut-être, je pensais que Ryuken allait push la T1 jusqu'au bout, quitte à laisser tomber le dragon. C'est le troisième, hein, je pense que random 5, dans leur situation, il faut le laisser tomber. Et give up à Frost Tales qui a placé toute la vision. Hein, vous le voyez, les lignes de vision qui ont été avancées. Et Ryuken qui aurait dû rester topside, il aurait pris cette T1 et la prime en poche. Et un troisième dragon pour nous. Alors attention, c'est parti, on a fait qui s'engage. Antares, t'es un peu loin. Antares, ça attaque, Ortinzonia, donc t'es parti pour bait. On n'a pas réussi à faire tomber le Lotus. Oula, Kitek, oula, attention. Qu'on balance pas le clavier par la fenêtre en faisant une engage. Dans tous les cas, le résultat est le même. Pas de kill, mais une T3. Oh, joli bisou, Antares. Pour aller chercher ce vilain Azir. Qui complétera son deuxième item, mais aura-t-il le temps de l'utiliser? Je suis même pas sûr. Alors, Ryuken, faudrait peut-être penser à reset, parce que là, ta base, elle est en train de tomber. Activer les tourelles, alors attention, on a perdu quelqu'un. Non, pour l'instant, on a perdu personne. On a fait tomber le Nautilus, il X2 qui tank. Dix2, attention, j'espère t'as un W. Wouah, Dix2, le flash out qui va s'en sortir. Quelle démonstration de la prise de fight côté FT et Hero qui se permettra même de chill. Alors, ça lui coûtera un flash. Est-ce qu'on peut conserver le KDA? Ouais, on a un Zonia. On va quand même perdre la décarry. Il faut finir la game, Hero. Hein. Faut finir la game. Le flash in encore de. Ryuken, on ne pourra rien. C'était clean. Très joli game. Et cela nous place en 2 victoires. A voir si nous serons les seuls à 2 victoires, puisque de l'autre côté, il y a eu un match similaire. Gagnant du premier round contre perdant du premier round. On aura peut-être deux équipes en. Là, c'est soit deux équipes en 2-0 et deux équipes en 0-2. Soit une équipe en 2-0, c'est nous, et une équipe en 0-2 qui est du coup random 5, et deux équipes en 1 partout. Ce qui nous mettrait dans
d'excellentes dispositions pour aller chercher une qualification. On a gagné contre le tiers des. Les deux tiers des équipes qu'on a affrontées, puisqu'on a trois équipes à affronter en tout. Déjà affronté deux, gagné contre deux. Quelle démonstration. Alors pour les besoins du stream et de la régie, je vais me rasseoir et je me relèverai lorsqu'on sera de retour en game. Donc me revoilà. Ok, alors peut-être encore baisser un peu la cam. Tac, ah non, pardon. C'était bien. Ça, je vais vraiment vous montrer. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est très bien. Hop là. Et moi, je vais directement... Alors, voyez les dégâts rapidement, hein, pour le coup, héros qui a cogné. Hop. Je vais me permettre de vous changer de scène le temps que je me connecte. Tant que j'aille dans le lobby de la nouvelle partie... Et je suis le premier dedans, super. Ah franchement, ils nous ont donné une jolie partie. Les Shunin et City Reapers qui a aussi gagné. Donc ça va être le grand duel pour la première place. Si on gagne, on est premier. Si on perd, on est deuxième. Mais c'est pas bien grave. Donc on est déjà qualifié, puisque c'est le top 3 qui se qualifie, et on ne peut qu'au pire faire top 2. Et là ça va jouer entre Random 5 et DBG. Hein. Donc vous le voyez, hop, je vais vous le montrer. Pardon, oula. Proraft, tac. Donc vous le voyez, pour le coup... City Reapers et Frosted Shunin qui ont tous les deux gagné leur game, DBG Random 5 qui perdent. Et donc ça va se jouer entre Random 5 et DBG pour savoir qui va se qualifier avec nous. Avec Frosted Shunin et City Reapers. Bien sûr qu'on gagne deux, nous. Bien sûr. Trop aise. Trop aise. Voilà qui fait du bien. Ah non, franchement, ça fait plaisir. Au pire, on finit deuxième, mais dans tous les cas, qualifié. Et donc, ça veut dire qu'on finira un peu avant. Hein. Pour le coup, vous l'avez vu. On finira un peu avant les autres, puisqu'on a deux matchs en moins. À jouer. C'est quand même une bonne nouvelle. Ah franchement, ça fait plaisir. Et ils nous ont offert une belle partie pour le coup, les Frost Tales, avec l'exemple de la Dekeribot qui prend les bonnes ressources au bon moment. Et on l'a vu hein, tout au long de la game, c'était... Hero est resté loin devant et en plus on a une super synergie entre Kitek et... Honte à moi, Stonemaker, merci. Entre Kitek et Stonemaker. Quel joueur est bien. Ah, franchement, tu m'étonnes. Hein. Le vocal joueur est très très bien.
Ça met franchement très bien. Alors, j'espère qu'on aura les bons liens de draft pour vous la commenter en live. Raero qui a fait tant de dégâts. Il mettait 6 kgold quasiment à son opposant direct. Pardon, un peu moins 5. 5 kgold. Un Daros qui en avait 10 000 et un héros qui a fini avec 15 000 gold et 4 items. Là où l'Azeri n'en avait que 2. Et un tout petit bout du troisième. Alors, on va se prendre les liens de draft. Ça, on n'en a pas besoin. Hop là, on va se prendre la spec et on va pouvoir patienter. Parce que de toute façon, à chaque fois, il faut... faut attendre que les autres équipes soient dispo. Ah mais de toute façon, nous, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller assez vite. On peut aller faire un petit tour dans... Est-ce qu'il y aura les playoffs après? Oui, les différents seeds. Ah mais non, mais du coup, c'est que les deux premiers, pardon, je sais que c'était les trois premiers. Je suis un peu un méga naze. Je suis un méga naze. Parce que pour le coup, ah bah c'est pratique ça. Je sais pas comment sont... Parce que du coup, c'est que les... il y a 8 groupes. À chaque fois, c'est les deux premiers des groupes qui sont mis dedans. Vous le voyez, on est là, nous. Hein, un peu en avance par rapport aux autres. Donc ouais, en fait, on joue pour la première seed de notre groupe, de playoff. Comme ça, c'est un... mais je sais pas trop comment ça va être. Moi, si c'est mixé, si c'est aléatoire, je saurais pas dire. Si c'est dans l'ordre, on serait seed... Bah, nous, seed 5. En théorie. Nous, on serait en théorie seed 5. Parce que, ce que je m'imagine, c'est... Est-ce que vous le voyez d'ailleurs ? Ouais. Ce que je m'imagine, c'est... Que genre, lui, c'est seed 1. Et lui, c'est seed genre 9. Parce que, premier du groupe 1, seed 1. Premier du groupe 2, seed 2. Premier du groupe 3, seed 3. Tac, 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 etc. Probablement que Pipou Gaming, s'ils se maintiennent premier, joueront contre Minar Melenix. Se maintiennent deuxième. Vous voyez. Et du coup, nous, ça veut dire que potentiellement, si on bat City Reapers, on joue contre le 12, c'est-à-dire, du coup, ça c'est 9, 10, 11, ouais, donc ici, le deuxième du groupe 4. Quoi. Alors que si on perd, on devient 13. On devient site 13. Et on jouerait contre... on jouerait contre le site 4. Ah bah donc en fait... mince. Pardon.
Hop, numéro 1, tac. Donc en fait, ouais, soit on joue contre le premier, soit contre le deuxième du groupe 4. Donc oui, ça marche comme ça. Alors, est-ce que c'est le bon lien ? Ouais ! Nice. Et donc, on sera blue side. Hein. Vous le voyez. Ah ! Je viens de fracasser mon bras de micro. C'était un peu... douloureux. Mais ça va, on survit. Quoi, il n'y a pas le logo Nexus Tour ? Pardon. Pitié, Red Games. Pitié. Pitié, Red Games, pitié. J'en profite pour advertiser le stream. Sur tous les réseaux. C'était pas d'ailleurs. Est-ce que la draft a commencé ? Pas encore. Je dois mettre un peu de musique en fait. Paf. Faut que je vous l'ajoute. Alors, quel groupe, je ne sais même pas. Oh, à la draft ! Youhou ! Paf ! Et voilà, vous avez... Vous avez du gros son, là. Let's go. Alors. Yes, la draft. Let's go. Ça me met très bien. Ça me met très bien. Alors, on va commencer. Waouh, ça va si vite. Attendez. On va aller rechercher de la flottasse. J'en ai plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Waouh ! Côté Shuni, non enlevé Tristana, Broom, Jinx. Côté City Reports, non enlevé Talia, Brandt et Leblanc. On a focus des pads mid majoritairement. Et on first pick la Kai'Sa sans aucune once de honte. La réponse usuelle, c'est Xayah. Effectivement, c'est plutôt bon dans Kai'Sa qui cherche à aller très deep. Xayah, ça reçoit bien, vous le savez. Et on partira sur une duo lane tout à fait classique, Xayah. Rakan, c'est toujours plutôt efficace, ça peut avoir 2-3 difficultés en lane sur des bot lanes un peu particulières, mais je ne pense pas que ça galérera contre Kai'Sa.
est-ce qu'on va l'accompagner du Nautilus qui va usuellement bien avec? On peut repartir sur le Volibear qui avait très bien marché. Hein. Ce que j'ai beaucoup aimé côté Chunin, c'est cette capacité à pouvoir se projeter très vite, à jouer en early, à aller chercher des avantages rapidement. Et on va sélectionner le Volibear. Alors, deux possibilités. On peut blind la mid lane, si jamais on décide qu'il y a déjà trop de bans qui sont sortis et qu'on est protégé un peu la mid lane. Ou alors, on pique le support, parce que comme ça, au moins, c'est fait. Et on a déjà la duo lane, donc pas de risque de se faire counter. Norel, c'est sympa. Je reste quand même plus adepte du Nautilus. Surtout que c'est cool d'avoir un point click CC sur quelqu'un. C'est quand même agréable. Ah, la cam, vous voyez pas les bans, FF. Pardon. Excusez-moi. Oh. Voilà. Tac. Hop là, en plein milieu. Soyez le patron. Donc eux aussi vont piquer le jungle et on va finir sur une Lilia. Ok. Pourquoi pas? Alors, Lilia, historiquement, et même pas historiquement, hein, aujourd'hui, ça reste toujours un des counters de Voli. Hein. Lilia, c'est une capacité à très bien kite un Voli, et au bout d'un moment, Voli n'a plus assez de dégâts pour tenir la Lilia. La Lilia le tank suffisamment avec un seul item. Et le Volibear est sans option face à une Lilia qui scale très bien et qui a beaucoup de dégâts. Donc, pour gagner la game, il va falloir le faire vite, il va falloir le faire bien. Snowball early, aller chercher des agressions. Lilia, c'est relativement faible en début de partie, hein, si ça a le temps de stacker un peu de move speed, ça reste chiantos. On va aller chercher un ban de Yone pour compléter. Pour rappel, vous le voyez, il ne reste que les mid et les tops de chaque côté. Et côté Shunin, il faudra en blind de 1. Alors, on a la réponse Cassanté. Hein, enfin, le blind. Pardon, pas la réponse. Le blind. En R4, Cassanté. En réouverture. Ça marche toujours très bien, le champion. Et bien trop fort depuis des mois. N'hésitez pas à signer la pétition pour retirer Cassanté du jeu. Sachez qu'elle a été signée par 95% des top laners. No fake. Alors qu'est-ce qu'on va choisir? De toute façon, on va faire prendre mid et top. On va choisir... Oh, j'aime beaucoup cette réponse pour Mordekaiser. Mordekaiser, qu'on s'est laissé sur son îlot top lane, c'est très puissant. Et ça peut aider à isoler potentiellement une Xayah hors du fight ou une Lilia. Qui peut être embêtante. Et parce qu'on commence à avoir pas mal d'AP, il nous faut un peu d'AD et on pourra aller chercher un Jace. J'aime beaucoup ça, Jace. Très très versatile. Ça permet d'aller chercher un peu de poke. Ce qui est toujours une très bonne nouvelle. Ça ouvre un peu pour le coup la draft Chunin. Hein. Vous voyez, on peut jouer Lolin, Ongoin, Rael, Tempête Magnétique, Volibear qui saute dedans, Kai'Sa Culti. Le Jace qui met un coup de marteau, on peut jouer, rentre dedans à fond. Mais en réalité, la compo Chunin, elle est beaucoup plus polyvalente que ça. Elle peut pas trop pile, elle peut pas trop disengage, par contre, elle peut poke. Et elle peut très bien siège. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle d'avoir Jace Kai'Sa pour balancer des boulettes et des missiles. Pendant qu'on clôturera la draft sur un Wei. Qui va affronter ce Jace mid. Alors moi, alors cette musique là, je l'ai écoutée, enfin vous l'avez entendue au démarrage, donc je vais pas en avoir une autre, c'est cool. On va se mettre... Bon allez, c'est bien. C'est un peu épique. T'es un peu épique. Ah, je l'aime bien pour le coup notre draft. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup notre draft. Elle est, je trouve, très solide. Parce qu'on se donne les... tout simplement les... Ah mince, la discussion, il est planqué là. Zut. Hop là.
Vous voyez pas les bannes, bah, je vais vous le mettre à côté. Hop là. Pour le coup, j'aime beaucoup notre compo, hein, parce qu'on a... On a des options de range qu'ils n'ont pas. On a des options d'early game qu'ils n'ont pas. Il n'y a que si jamais on va en ultra late game, genre 4-5 items sur tout le monde, que là, pour le coup, la composition City Reaper, c'est les meilleures que la nôtre. Lilia 4-5 items, c'est effrayant. Way 4-5 items, c'est effrayant. Kassanté 4-5 items, c'est effrayant. Et Rakan, à ce moment de la game, c'est effrayant. Parce que tu sais que un ulti, un flash in W sur 3 personnes et ton fight est perdu. Quoi. Surtout qu'il y a, il y a du follow-up. Hein, un ulti de Way, une volée de plume de la Xayah. Même Lilia, en fait, le potentiel de clutch, il y a un vrai potentiel de clutch côté City Reapers. Ça touche un flash in Q Zhonya R de la part de la Lilia sur 5 personnes. Même sur 3, c'est... ou sur 2. Hein. À ce moment-là de la game, ça peut être... En ultra light, c'est décisif. Là où, toucher une boulette fait mal, mais ça définit pas le fight, quoi. Pareil pour un missile de Akaïssa. Par contre, 3 boulettes et 4 missiles, là, on parle. Mais sinon, pas vraiment. Mais j'aime bien ce mort devant. Et c'est vraiment l'option de... On a pris une composition d'équipe pour avoir la prio partout. Le but, c'est vraiment gagner top, gagner mid, gagner bot. Et gagner jungle. Et c'est en ça que j'ai peur pour City Reapers, hein, par rapport à ce qu'on a. C'est parce qu'ils ont... ils ont très peu d'options en début de partie, quoi. Ouais, ça... Ok. Way est sur... Enfin, la mid lane, sûrement la seule lane où la Kai'Sa aura pas la prio. Mais top Mordo aura la prio. Bot, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Ça dépend. En fait, si la Xayah décide de burn la wave, on peut pas y faire grand-chose. Et ça qui est un peu chiant. Et s'ils veulent prendre la prio et brûler la wave, ils peuvent. Mais on est, on a un meilleur 3v3 par contre. Parce qu'on a une capacité de focus unicible qui est très forte. Là où au final, ils ont un bump en route. Nous on a un stun, un bump, un autre stun. On a un peu plus d'outils. Et en plus, la Rel peut créer de l'espace en plongeant et en allant cancel un peu les adversaires. Alors, je vais fermer ça. Hop là, et on va se mettre. Et on va se mettre là-dessus. J'ai hâte. J'ai très très hâte. Voir comment ça va se dérouler. Ouah, j'ai failli faire tomber. Enfin, j'ai fait tomber le verre. Mais il n'était plus rempli. Donc, somme toute, tout va bien. Ce qui est une très bonne nouvelle. Je vais chercher de l'eau et je reviens.
Et de retour. J'ai ramené la flotte. Hop là. Alors, petit point. Rune, est-ce qu'il y a des trucs étonnants? Pas vraiment. Hein. Pétasse fait deux à l'écart. Et une cleanse. Par contre, côté KSA, qui je pense est très intelligente. Hein, côté héros. Le charme du Rakan, le route de la Xayah, le slip de la Lilia, le fear du Wei. Enfin, un paquet de trucs. Non, le fear et le route, hein, au passage. Côté Jace, on apprécierait un phase rush, des options plus offensives comme un Cosmic Drive, ou plus économiques, comme un First Strike. Le PTA sur joli, c'est obligatoire. Ah, il joue... Alors... Parce que, attention, vous le voyez à la PP derrière, là. Moi, Voli, c'est quasi OTP. Et il joue avec Inspiration en secondaire. Ok, je respecte. Je préfère, j'avoue, comme la majorité des joueurs, avoir plutôt les runes de Move Speed. Je préfère. Parce que je trouve que... Ah bah super, hein, bien exit la game. Parce que je trouve que c'est sensiblement plus fort. Enfin, pas plus fort, mais le fait de ne pas les avoir sur Voli, le fait de manquer de move speed, c'est un peu une cata, quoi. Et ces runes-là, en fait, elles te permettent de quand même jouer et d'avoir un peu de move speed et du coup de bouger plus vite sur la carte sans pour autant non plus sacrifier... Enfin, devoir aller faire obligatoirement une dead man, tu vois. Avec River Walk, je crois, ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est la rune qui fait que vous courez plus vite dans la rivière. Water Walking, merci. Je dis merci alors que je suis tout seul. Water Walking, merci. Eh bien, vous pouvez. Donc, avec Water Walking et Célérité. Et 7% MS bonus. C'est indispensable parce qu'en fait un Voli qui se fait kite et qui peut pas reach ses adversaires, c'est un Voli un peu à poil. Et sinon on peut casse tout. Tiens, j'ai pas la musique sur celui-là. Ah, vous l'avez sur le Prodraft, mais quand je change de scène, vous ne l'avez plus. Ok, c'est bon. Wouhou. Pardon. In-game, tada. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est le petit bug League of Legends. Alors, ça arrive quand il y a des pauses. Et là, on va rester bloqué à zéro pour tanker la pause, hein, probablement. En gros, il y a une pause. Du coup, le jeu ne veut pas qu'on se connecte forcément parce que bah, il faut les 3 minutes. Mais on est en game, youhou, let's go! Mesdames, messieurs, troisième game, phase de groupe, Nexus Tour, Division 2. On joue la première place de nos groupes pour être mieux seed pour les matchs de demain. Alors, je vais me permettre de tac, vous afficher le scoreboard, de vous enlever les time control, donc on n'aura pas besoin. Et nous voilà au MAX. On remet tout le monde dans le bon ordre. Nickel. Tout le monde est bien ordonné. Pour le niveau 1, la cover va être tranquille. Hein. Pour le coup, ça a pas l'air de grosse folie. On aurait peut-être pu chercher une invade en vrai, si on avait vraiment envie de jouer. Je pense qu'avec Voli, on gagne les premiers niveaux. Mais on est bien sage. Et on va passer vers la bot lane. Et effectivement, Hero le note, la présence d'une exhaust sur ce Rakan. Donc pas d'ignite. Donc un summoner spell un peu plus défensif. Hein, parce que du coup, on a un pool de dégâts un peu inférieur.
Et on t'a. Est-ce qu'il prend la prio? Il prendra une boule de feu quand même dans le front en arrivant. Mais c'est pas bien grave. Je pense que le Q aurait pu être mis différemment s'il voulait prendre la prio. Et d'ailleurs, il l'a pris, il l'a quand même prise. AZK a préféré poke plutôt que prendre la prio de lane. Sinon, il serait parti à grands coups de fissures de magma. On se bat pour la, pour la prio et pour l'instant. Une auto d'avance pour Tisma. La transi niveau 2, côté Kitek et Roquet touche. Ça, ça fait du bien pour le coup d'avoir ça. Et les deux jungles qui ont fait un clear très similaire. Hein. Corbin first. Et après, on fait le blue ou le red buff pour maximiser la durée. Et du tout, il est pas mal. Hein. Je crois qu'elle a loupé quelques CS. Un peu d'avance pour Stonemaker, même pas tant que ça par rapport à son opposant direct, ça va. On a bien eu la ward du côté de AZK. Oh, joli d'X2, hein. Très joli griffe. Oh, peut-être qu'elle X va être forcé au flash out. Bah si d'X... Waouh, LX c'est chaud hein. Ok, il est passé niveau 3 heureusement. C'est aussi en ça que Mordekaiser c'est un bon pic hein, contre Kassanté. Un des rares champions qui le stat check. Hein. On n'a pas touché la griche, mais on a touché le Q. Alors le go-in qui a été entamé du côté de Canard Mandarin, mais au final, rien de bien gênant. C'est bien répondu par Kitek avec un bon Q. D'ailleurs, assez étonnant que Tisma et Canard Mandarin aient pas agressé sur leur transi niveau 3 plus que ça. Parce qu'on a eu. On a eu l'agression du Rakan, mais sans plus. Alors attention au top, c'est chaud. Flash out. Et Dix2 va heal up tranquillou. Kitek pour un flash in peut-être. Et je crois que ce voli est vu. Et peut-être qu'il va se faire double carap. Hein. On a vu le E qui est parti. Et il est bien wardé. Ah, ils vont chercher le cancel, le flash in. Non, on n'est pas allé le chercher. Parce qu'on était un peu loin. Et pour le coup, Oceros qui se met dans de meilleures dispositions. Il y a un bon travail de warding pour le coup. Ah, oh, et le Q qui va cancel. Oh, non, ça aura coûté. Ouais, non, ça coûte qu'un W. Ah, et Oceros, il est bien. C'est ce qu'il veut avec Lilia. Une game calme. Et une bonne ward qui a été placée. Même, je pense qu'il aurait pu le prendre, ce Gromp. Le problème avec le fait de faire ça, c'est que s'il prend ce Gromp, il nique un peu sa tempo. Alors attention, parce que pour le coup, le E, il était très bon. Flash out, flash in, reflash in de Tisma qui vient chercher le First Blood. Très joli. Ça aura coûté tous les summoners de part et d'autre, excepté la barrière. Donc très rentable pour Tisma et son Rakan qui récupère une lane excellente. Ils vont décider de burn. Pas de freeze. Je pense que on aurait pu peut-être Inna Wave et freeze et Hero qui va stay. Ah, et on a toute l'info sur ce voli. Voilà, Relka bougé mid, Hero qui va pas tenter un freeze. Non, pas forcément. Alors j'entends un bruit de flash, mais je pense que c'était un bruit d'ex-flash. Que la reine l'avait déjà consommé. Hop. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a le dragon qui a spawn, on a les grubs qui arrivent bientôt. C'est minute après le dragon, hein. Donc les grubs, pour le coup, ils vont arriver dans une dizaine de secondes. Est-ce qu'on veut le jouer? On n'a pas de level de retard, on a même un niveau d'avance sur Hero, mais ça va être fixe auto par Tisma qui n'a pas d'oracle. Donc on ne peut pas clear ça. Et ils font un bon boulot pour retirer la vision. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec ce dragon? Est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue pas? Est-ce qu'on tourne autour? Elle est en train de le faire la Lilia ou pas? Non, même pas. Juste elle chill. Elle attend.
Evoli qui est en counter gank et qui vient de reset et qui va se diriger top vers vers ses grubs. Là ils ont vu Lilia entamer. Alors attention, c'est parti l'ulti. Le Brésil, alors attention, c'est parti. All out. Oh, les dégâts, mais excusez-moi. Excusez-moi, les dégâts du casse-santé sont absolument honteux. Est-ce que Dixtou peut s'en sortir? Ça a forcé au flash out. Quelle honte ce perso. Purée, supprimez-moi casse-santé par pitié. Le fait que le champion ait le droit d'avoir plus de dégâts que son opposant direct alors qu'il en a pris beaucoup moins. Ah, et en plus il va solo kill. Quel dommage. Non mais c'est fin, faut supprimer casse-santé. Bon, heureusement Stonemaker le récupérera bien gentiment. C'est du 1 pour 1, mais ça aura coûté un flash hein, quand même du côté de Dixtou. Heureusement on n'a pas la TP côté Aelix. Donc ça reste déjà ça de prix. C'est un flash contre un slow push. Vous le voyez à la tête de la wave top. Ça risque de... Ah non, parce que il focus le même. Aïe aïe aïe. Ça va être limite. Je sais pas. Ah non. Même pas. Hein. Ah non, c'est freeze pour Aelix. Ah, c'est triste. Hein. Je pense qu'il aurait dû push la wave Stonemaker pour faire crash quelques CS. Alors attention, le double mais qui passe pas. On a récupéré le dragon, mais du coup ça coûtait beaucoup de temps au Voli qui a retapé. Non pardon, il n'a pas retapé de reset. Je pensais qu'il venait d'arriver sur les grubs. Je vais dire que c'est un peu étonnant. Mais non. Oh, mais... Vraiment voir Cassante et Skarner sur une lane, ça me. Ça dégoûte. Hein. Franchement, ça dégoûte. On voit que cette early game il se passe pas si bien parce que pour le coup on n'arrive pas à prendre l'avance qu'on veut avoir, à jouer aux initiatives avec le Voli, à aller chercher des agressions. On est plus en pompier. Oh il a loupé le canon. Chet. Excusez-moi, c'était personnel. Alors, dommage Dixtou que les CD ne passent pas sur Aelix. Très bon travail de visu côté Violeng, Zayara, Khan. Et on voit, oh là, attention, all out. Ah oh bah oui, c'est, y a rien à faire, top. On a pris le Mordeux en counter pick, mais ça ne passe pas. Et maintenant, on se fait snowball. Attention, qui tech parce que t'as pas de 6. Hein. T'as pas de 6, donc ça peut être un peu tendu. Heureusement, Dixtou a une TP s'il veut. Jolie boulette. La part d'Antares aura besoin d'un grand Antares. Et le Voli qui est pas vu pour le moment. Ils doivent se douter qu'il est à bot. S'ils ont bien l'info que ses camps ont été clear top, ils doivent se douter qu'il est à bot. Il a rien à faire top. Faut pas qu'il joue sur une late, sur une lane qui est perdante de toute façon. Faut être en counter gank de la Lilia. Et vous le voyez, la wave slow push. Alors est-ce qu'il y a communique. Alors est-ce qu'il slow push vraiment? Pas certain. Oh, qui take Julia. Attention, l'ulti qui est parti. Ça va être le 3v3, la fatigue. Hero qui a encore tous ses CD. Il va être forcé au flash Hero. Hein. Comme c'est que pour l'instant, on n'a pas les dégâts. Waouh, qu'est-ce qu'on a pris cher. La cleanse. L'ulti out. Le E. En raison de lui, laisse-moi faire tomber la Xayah. Le flash in qui a été trouvé. Le stun. Le W qui a connecté. Heureusement, le GC le premier à faire le décalage. On allait chercher un kill de la part d'Oceros sur la REL. Est-ce qu'on peut tenter? Oceros prend beaucoup de dégâts. Non, bien joué Antares. T'as pris la prio, il t'a fait le décalage avant. Et AZK va se faire accompagner sous sa tour. Encore une auto et une deuxième. Le magma, les visions de cauchemar. Stonemaker, il sait pas où se mettre. Ça touche pas. Ouh, la boulette. Est-ce qu'on a un flash du côté d'Antares pour aller peut-être aller chercher une agression? Mais il y a flash out disponible sur AZK. On va pas tenter. Ah, il peut rien faire, hein, Stonemaker. Ok, il balance ulti. Il a pris une partie des stats. Il a pas de out Aelix. Ça peut être un bon fight. Ça force le flash out. Joli Dixtou. Attention parce que ça va revenir. L'auto, le Q. Ouais, Dixtou, montre-lui. Très joli Dixtou. Pas d'ulti disponible sur Aelix. Et on punit directement. Ça fait beaucoup de bien. Surtout qu'on a pris un très très bon fight bot.
avec un Voli qui est très devant. Dommage qu'on n'ait pas récupéré un kill ou deux sur Hero, mais il est mort assez tôt hein, dans le fight, mais on a quand même tombé 4 personnes. Pardon, 3. La duo lane et la jungle. Du coup, une quatrième personne avec le mort de Kaiser top. Un peu d'eau pour votre caster préféré. Donc on a eh bien, fait l'échange des duo lane. Elles sont allées se poser mid et on a laissé les mid lane au bot. Alors un quatrième grub qui est récupéré. Ça c'est une bonne nouvelle pour le coup. Hein. D'avoir les 6 grubs, ça aide à aller chercher un peu de pression en side. Surtout qu'à terme, plus la game va avancer, plus le mort 2 va être bien par rapport au cas santé. Ah, qui va faire Holo Radiance ? Ah, peut-être. Peut-être faire Holo Radiance. Quitte et qui va W out tranquillement. Qui est parti sur le cas santé, on l'a bien ramené. Le là qui est parti, cas santé qui peut sortir encore. Mais il y a l'engage du Rakan derrière. On a pris beaucoup de dégâts, le Jace qui va tomber. On est très très low, c'est 5 contre 4. Il nous manque le mort 2 qui est derrière, mais le mort 2 qui peut pas rejoindre son équipe. Le flash in, oh, on n'arrive pas à tomber. Le Ekitek qui va aller chercher une agression. Malheureusement pas de cleanse disponible du côté de Hero et le fight est très largement à l'avantage côté j'ai plus le nom. Côté ah, j'ai plus. Au secours. J'ai plus le nom, mais c'est... on a perdu tout le monde. On a perdu littéralement tout le monde. Et navré, on joue contre eux. Tac, 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 tac. On joue contre City Reapers. Ah, on a vu, on n'était pas bien regroupés. Et derrière, Rakan a fait le travail et a cherché le langage. La Xayah et le Way qui suivent. Très joli Antares. Est-ce qu'il veut y aller en 1v3? Joli dodge du Fear. Mais il a pas de vision Antares. Il a trouvé... beaucoup de dégâts mais sans plus. Ça lui aura coûté sa téléportation. Il y a un Colo Herald. Côté Stonemaker. Mais ouais, s'il manque Antares, ça peut être compliqué à jouer. Surtout comme on l'a dit, Antares, il a cramé sa TP. AZK la possède. Aelix est du bon side. Seul Canard Mandarin est un peu loin. Mais City Reapers ne voulait pas le jouer. Et c'est un Herald dans la poche. Des Chunin. Alors, est-ce qu'Antares gagne le side contre AZK? Je pense que oui. Avantage en range. Et à Lolin, je pense qu'Antares. En fait, c'est pas exactement à Lolin. À Lolin, Olin, Olin. Si AZK a l'ulti et qu'il le touche, il est fine. Mais s'il y a. Deux timings d'agression. Antares a les dégâts. Ah, Aelix, tout, il a du mal. Hein, Aelix a essayé de le ramener. Il a fait effectivement Holo Radiance First. Hein. Alors, le Lion de Reefer, j'aime bien aussi. On n'a pas les. On n'a pas les contrôles du Riley. Au moins on a un peu de dégâts. Alors, attention parce que c'est l'ulti qui est parti. L'ulti aussi de Dixtou en contrepartie. Waouh, le Q qui a été très bien dodge. Je pense que Dixtou est tombé parce qu'il a plus de W. Le R qui vient de faire pitié, ramenez-moi la top lane. La griffe qui passera pas. C'est dommage. C'est tendu entre les deux top laners. Joli boulet d'Antares. Quitté qui va essayer de chercher une agression. Attention, c'est l'agression de Canard Mandarin qui allait chercher deux. Charme, et je pense que Kitek va tomber. Joli, ramené par la griffe, je crois. Ou peut-être route sur place. Mais je crois qu'il a été ramené par la griffe. Ça reste une bonne prise, hein, pour le coup. Ça reste un bon fight. Attention Antares, t'as pas de flash, aïe, on a touché le fear, le Q, on tente le lean, prend que le phase rush, s'en aller, le qui passe pas, mais il y a l'ulti qui est là pour terminer le boulot. AZK finira avec un éclair. On n'avait pas l'info sur la Lilia. Donc on trade cross map, le Voli est top.
Et on a pu récupérer cette T1. On va faire de même bien gentiment. Du côté... j'ai encore oublié le nom. Du côté City Reapers. Alors, Stonemaker, le stun qui va connecter sur W, la gage qui ramène, un premier coup de massue, mais on n'a pas les dégâts du tout. Hein. On n'a pas les dégâts du tout, et on va même se faire raccompagner. Attention, le shield qui a été consommé, joli flash à ZK, l'ulti qui va permettre de terminer le boulot. Stonemaker, ah, l'auto a été cancel, je pense qu'elle ne suffisait pas dans tous les cas. Si elle W, ça suffisait, mais c'est 2 kills pour 0. Et City Reapers qui se remettent bien devant. Et qui prennent 2 flashs. Mais qui perdent ce fight, au moins ça permettra peut-être d'aller gagner le prochain combat. Le prochain dragon devrait pas trop tarder, hein, j'imagine d'ici une minute trente. Malheureusement, j'ai pas l'info, puisque comme le client est bien codé, les objectifs timers sont là. Et j'aime bien, enfin moi je joue avec une map aussi grande, mais c'est sont mes dérives et mes déboires de forestier en chef. Alors, le dragon qui a fait son apparition, qui pour le coup va être quand même une sacrée, un sacré temps fort, hein, pour, ça va être un sacré objectif pour chacune des équipes. Parce que donc il est prendre un troisième dragon à 18 minutes, c'est très important parce que ça veut dire qu'à 23 minutes, on pourrait avoir une épée de Damoclès, un timing soul, qui serait forcé. C'est soul d'air, c'est quand même pas mal soul d'air. Hein. Ça peut permettre à un cassanté. Alors déjà sur un Rakan c'est très bien. Sur un cassanté c'est sympathique. Sur une Lilia c'est très fort. Et sur un Way c'est toujours bien bon. Sur une Xayah aussi. Et si on le prend côté FT, ça permettra de vraiment mettre un coup d'arrêt au scaling et de se laisser un joker pour plus tard. Mais en vrai on peut pas rentrer. Hein. On est groupé et on peut pas rentrer. Stonemaker arrivera trop tard. Stonemaker qui s'est fait embarquer. Le flash out, il a pas l'ulti. Stonemaker, il est charmé, il est ramené. Pardon, Stonemaker tombera. Ah, et c'est parce que Dix2 a préféré. Préféré push la top lane. Je sais pas quel était le call côté Chunin. Je sais pas quel était le call. Mais je me questionne un peu. Parce que on voit que côté Stonemaker, on a voulu prendre l'info. Donc je me dis qu'il y avait peut-être une envie d'aller jouer ce dragon, d'aller peut-être contester un peu au moins. Mais comme Dix2 était pas là, bah malheureusement, tentative avortée et on a regardé le dragon mourir plus qu'autre chose. On a beaucoup de dépush hein, avec Wei Xayah, donc c'est facile de brûler les waves. Attention, flash très joli de quitter avec le stun qui est passé. Allez chercher l'engage, le dunk est parti, très joli. On a une TP derrière. Attention, parce que pour le coup, Tisma il a mis énormément de dégâts. Et ces 3 kills qui sont tombés, vous l'avez vu, le rappel de plume qui est exceptionnel. Et malgré une très bonne engage, et un deuxième kill de récupérer, je pense que Dix2 va tomber. Attention, parce que le shield a fade, il y a les contrôles qui tombent, la cache est connectée, très joli. Le Q qui va tomber sur Dix2, est-ce qu'il peut aller chercher un kill et repoursuivre, triple kill de Dix2 qui fait la diff avec sa TP. Ça retourne la game. Et une avance au goal qui vient s'équilibrer parfaitement. Ah, il a raison de ping son top laner. Parce qu'il vient de retourner le fight. Quelle prise de fight de Dix2. Quelle prise de fight. Très bonne ulti pour aller chercher cette Xayah qui avait déjà tout claqué. Hein. Qui n'est plus de scellé. Tout y était passé. L'envolé, le rappel de plume. Qui avait route 3 personnes sur un flash. AZK qui l'a vu, AZK le fire, la boule de feu, l'auto, et le passif viendra à bout de cette Kai'Sa shutdown de récupérer. 150 gold bonus sur un way, ça fait pas plaisir. Ah, surtout que c'est sur un timing Nashor. Hein. Heureusement, on a Antares, mais Antares. Je sais pas s'il peut poke to death, hein. Je pense qu'il aura pas le temps. C'est quand même Xayah, Wei, Lilia, ça fait
Ça fait l'objectif très vite. Alors l'éclair qui connecte sur, sur 2-3 joueurs. L'œil qui permet d'éviter de rentrer dans le fight d'X2. Attention, d'X2 qui va peut-être se faire ramener. Le all-out qui partit d'X2. Est-ce qu'on a ulti? On n'a pas d'ulti et du coup on va tomber. Heureusement, il a emmené le Rakan. On allait chercher un stun à Elix qui va jusqu'au bout. Et AZK ira récupérer le kill bien facilement. Ah, il manque héros, hein. Wouah, très jolie boulette. Très 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 jolie boulette. De la part de Antares qui va cancel ce Colnash. Alors ça aura coûté 2 kills contre 1, mais au moins on est allé chercher. On est allé chercher un cancel. On le push mid directement. On profite d'Enemy Out. Pause. AX qui va esquiver le go-in d'Antares avec un petit dash. Et la soul. 1 minute 30, une très légère avance du côté des City Reapers. Et vous le savez, le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Le Way sera dans deux items hors de contrôle. Et Lilia qui a santé, je n'en parle même pas. Donc il faut vraiment remporter ce fight côté, côté FT, accélérer, essayer. Bah là c'est le scénario parfait, c'est Dragon plus Nashor, ça fait fin de game. Et pour ça il va falloir avoir cette soul. Ou alors on décide de trade. Ah, vous voyez Kaisa qui poke dans le chat, son W évolué. Pour aller chercher des sessions de poke. Des sessions, oh là là, je parle comme un daron. Des opportunités, des fenêtres, des... Et puis il y a du poke, hein, tout simplement, je ne vous décrirai pas le poke, vous connaissez. Un premier missile, héros, est-ce qu'il peut aller en chercher un deuxième sur AZK? Pas maintenant, tout du moins il ne tentera pas. Et vous le voyez, on a joué un peu avec les waves. Hein. On a push la bot wave. Antares qui va aller chercher un reset. Peut-être pour son troisième item. Ça serait une très bonne nouvelle. Hein. Troisième item TP là. Antares, on est heureux. Ah, il l'a pas. Dag Dantley, c'est déjà ça, mais il l'a pas. Dommage pour le missile qui ne touche pas. Ah, c'est très tendu entre les deux équipes. Hein. Ah, même qui a touché une boulette, mais assez peu de dégâts trouvés des deux côtés. Et on voit l'X2 qui fait de son mieux. Hein. Stone d'écart qui a pris un peu de dégâts hein, sur ce proc de passif. Allez, c'est bien, les boulettes et connect. Allez, 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 on continue. Très joli l'X2. Très, très joli griffe. Q. Sur ce way. Et vous le voyez, on joue bien avec les waves. Hein. Intelligent, on les laisse se casser les dents au milieu. AZK qui est forcé au reset. On repousse une wavebot qui va aller crash. Et on a la vision. Kite qui est tout seul à prendre cette information. C'est parti, TP le way. C'est maintenant. C'est maintenant que tout va se jouer. Allez, allez, attention parce que ça commence à tomber vite. AZK qui a une bonne position de flank. Le Jace qui est loin derrière. Antares, Antares, t'es où? Antares, la wavebot qui a connecté. Le smite, il est assuré. Par la Lilia, le fight qui s'engage. La lave au milieu, très joli engage. Attention, c'est dans 4 personnes. La volée, le plume, elle va connecter. Est-ce que le retour de plume est là? Oui, on allait chercher un premier kill. Attention, de part et d'autre, on allait chercher un deuxième kill. Mais c'est la Lilia qui est très loin. Pour le coup, c'était une excellente engage de la part de Kitek. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller chercher plus que ça? Pour l'instant, c'est du 2 pour 3. Pardon, c'est du 1 pour 2. Est-ce qu'on peut aller chercher AZK, le Zonia, le All-Out qui est parti d'X2. Il a plus trop de points de vie, Aelix, le Flash-In, le Q3, Stonemaker, on a plus beaucoup de points de vie, ça va tomber. D'X2, l'éclair, et on va chercher un triple kill du côté du K-Santé. C'était si serré. Et ce champion du démon, qui fait encore des siennes. Aïe, 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 aïe. Skill champ, effectivement. Malgré une engage record. De la part de Kitek, on a les outils pour jouer en réception. On l'a vu, hein, l'envolée et le retour de plume de la Kaisa qui ont quand même fait très mal.
Un Wake qui a des dégâts. Hein. Le troisième item est là. Aelix. Qu'est-ce qu'il fait, Aelix? Il va donner un joli shutdown. 700 gold pour un héros qu'on a bien besoin. Donc la soul est tombée. Mais nous pouvons peut-être jouer ce Nashor. Héros qui va aller chercher un red buff. Qui sera le bienvenu pour aller contester. AZK compense avec une T1. Et push un peu la wave. Et vous le voyez, Dixou qui est obligé de se diriger bot side. Hein. Et on a toute l'info. Gros travail de vision qui est réalisé. Hein. On a une différence de vision assez forte. Entre Kitek et Rakan. Allez. Ça va jouer. Ça va se jouer au Nash. Laura, il est qui a fait son apparition. Les troisième items qui commencent à popper un peu partout. La dent de Nashor de héros qui fait du bien. Hein. Vous voyez les missiles qui ont encore plus de dégâts et surtout beaucoup d'attaque speed. Stuff, pas de critique, mais hybride on y tapé. Donc on peut quand même un peu tout jouer. Joli Blue War de la part d'Antares. Elix to Elix qui vont se battre. Ah, est-ce qu'on va tenter le all-out? Ouais, c'est parti, le all-out. Utica connecté. Matsu, il y a énormément de dégâts du côté d'Aelix. Parce que c'est un cas santé. Et parce qu'il est full tank. Donc il arrache Dixtou. Quel champion. Attention, la griffe. Utica est. Pouh, Utica pas connecté. Heureusement. Vous voyez ce mordeux malgré. Malgré toute. Tous les dégâts qu'il a. Ne peut rien contre cas santé. Qui full tank le tue en. En 7-8 secondes, à peine. Avec le Olaf, ça va aller plus vite que ça. Hein. Je pense qu'il l'a tué en 5 secondes. Et Dixtou qui va nous manquer pendant une vingtaine de secondes. Le W qui a pas connecté. La ward a été posée, mais a été bien clear. On a remis une ward directement. Le problème, c'est que ça. C'est Lilia Xayahwei. Et que ça brûle un baron Nashor. Hein. Vous le voyez, il est déjà. Il est déjà terminé. Alors, attention, il y a Langage qui a envoyé. Qui take. Il n'y a pas tout le monde. Très joli le Rakan qui va. Charmé, 3 personnes, c'est parti. La tempête mythique est connectée, ça va être ramené au Q3. La Lilia qui s'en sort, heureusement. Il y a l'assaut meurtrier de la Kai'Sa pour aller chercher. Est-ce qu'elle peut aller chercher cette Xayah? Allez, Hiro, il faut peut-être aller toucher un W, l'envoler. Est-ce qu'on peut chercher un rappel de plume pour Tisma? Oui, ça va, router le mort de Kaiser en plein milieu, sachant qu'on n'a pas d'ulti pour le mort de Kaiser qui, heureusement, va chercher le kill sur Tisma. C'est très bien joué. Le problème, c'est qu'il y a l'ulti de Wei qui va faire des gros dégâts et qui va prendre les deux kills. Le Zonia est très bon, Hiro doit reculer. Heureusement, très bonne présence d'esprit de Antares qui a live le fight pour aller push T3, pardon. Et Hero, eh bien, qui se fait rattraper à Elix avec les dragons et les souls des vents qui courent bien vite hors fight et qui peut aller chercher Antares. Hein. Il sait qu'Antares va reculer. Là, il court vite, hein. Je sais pas combien il court à Elix, il court hein. Actuellement 440 contre un vilain 427. Ah, il a des petits boosts de speed. Le W, l'auto, le Q, l'auto. Encore un E, encore une auto. Le Q3 qui passe pas, mais ça ne change rien. Antares est condamné. Alors, l'agression sur la T2. Qui va tomber et on a pris un sacré break, hein, baron Nashor et 5 K-gold. La game est compliquée. Oula, Elix. Ah mais non, c'est qu'à santé, j'ai oublié, il est dans 4 personnes et ça fait 15 secondes. Mais il n'y a pas de souci. C'est le champion et j'ai même forcé un flash sur Voli. Alors on a double ulti qui est parti sur Stunmaker et sur Kitek. Et vous voyez, hein, Voli qui a de plus en plus de mal à s'exprimer au fur et à mesure que passe la partie. Avec un Wei qui s'est permis l'audace de faire un Mejai. Ouais, Stonemaker, il passe pas un bon moment. Hein. Elix qui va tanker bien tranquillement. Le W, attention parce qu'il y a l'ulti qui est parti. Il y a l'ulti aussi qui est parti du mort de Kaiser. Sur qui? Ça a été... Ah, c'est sur l'Exaya, mais elle est bien loin. Ouh, l'éclair qui forcera le air out. Est-ce qu'il tombe, Stonemaker? Est-ce qu'il tombe, Stonemaker? Est-ce qu'il tombe? Il peut peut-être mourir, hein. Oh là là, ça s'est joué, 22 HP. Oh yo 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 yo, que c'était close. Que c'était close. Et c'est un Elder
qui va être récupéré. Et là, s'il y a Elder, ça peut finir. Parce qu'on manque un peu de dépouche du côté Chunin. Alors, un W qui passe pas. Antares, Antares, là en plein milieu, il y a eu un flash in de la part de Osiris pour follow. Le flash out, l'éclair, alors qu'il n'a pas connecté. Antares, le faisant jusqu'à proc. Mais est-ce que vraiment dans la mêlée, on peut s'en tirer? Osiris prendra le kill. Non, pardon, c'est le Rakan qui prendra le kill pendant qu'on est tombé du côté de Hero et de Dix2. Déjà 3 kills de tombée, on veut finir la game. Hein. On veut finir la game. Il ne reste que le jungle et le support pour aller défendre. Ça me paraît bien compliqué. Raya, Elixir, on n'a rien à taper. Il va ramener. Il va ramener Stonemaker. Et ça a l'air d'être une fin de game. Ah, c'est le cas qui s'est permis. Un petit flash à la fin. Ah, et c'est dommage, on n'a pas réussi à snowball d'early autant qu'on voulait. Et Kitek qui fait de son mieux pour gagner un peu de temps, mais malheureusement, c'est 10-15 secondes avant de retrouver les carries. Et vous voyez, hein, ce stade de la game avec 3-4 items sur tout le monde, c'est très difficile de jouer. La Kai'Sa prendra quand même un kill, mais c'est terminé. C'est terminé. No Chunin qui s'impose sur un score. Qui s'impose, pardon. Qui se qualifie tout de même sur un score de 3-1. Une très solide performance dans ce Nexus Tour. Division 2, étape 5, jour 1. Hop, on va vous le mettre. Tac. C'est un 3-1. Et donc, nous étions plus contre Random Five, mais contre City Reapers. Et nous avons perdu, malheureusement. C'est pas bien grave. L'important est fait. La qualification est là. Et Bordeaux qui finit top dégâts quand même. Dix2 qui a fait une grosse game. Qui a été le phare dans l'obscurité de cette partie. Et bah franchement un gros bravo à l'équipe Chunin qui a ma foi très bien joué. Bien sûr on aurait kiffé on aurait kiffé win la dernière, mais c'est pas bien grave. Qualification pour demain. Écoutez, merci de nous avoir suivis. On va pouvoir se laisser pour aujourd'hui. On se retrouve demain, je ne sais pas. Demain, je ne sais pas. À confirmer, parce que je ne sais pas si je pourrais vous caster demain. À voir. Ça reste à confirmer. Dans tous les cas, vous aurez les infos sur les réseaux et sur le Discord. Hein. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir toutes les infos. Tout est là-dessous. En tout cas, merci, merci de nous avoir suivis. On a eu de très jolies parties. On a eu une team Chunin qui a très bien joué. Pour rappel, c'était l'équipe académique en Div 2. Sur ce, très bonne journée. On se retrouve peut-être demain. Suivez les réseaux, restez connectés. Merci beaucoup et à plus.